si ça va vous plaire. Voilà, dites-le moi. Et salut. Alors ça fait super longtemps que vous êtes très très nombreux à me demander de faire un tour de la ferme. Et j'ai décidé en cette fin d'année 2019, la dernière vidéo de l'année 2019, de vous faire un tour de la ferme. Mais comme j'aime pas faire les choses comme les autres, je vais le faire en ASMR, c'est pour ça que je chuchote. Et donc on va aller visiter les bâtiments et on va écouter les petits bruits ou les gros bruits qui se trouvent dans les bâtiments. Allez, c'est parti, accompagnez-moi. Hangar de la ferme. C'est un hangar qui a été construit par mon grand-père dans les années 60. Aujourd'hui, donc, il héberge du matériel, du bois, de la paille. Alors, la paille, elle s'en va progressivement. Et c'est aussi la nurserie. Donc, avec les petits veaux qui sont élevés en cases individuelles. Je vous en avais déjà parlé. Celles qui sont là, elles ont 3 mois, un peu plus de 3 mois. Elles ont 4-5 mois. Étonnamment, il n'y a que des jerseys dans ce lot-là. Elles ont 7 mois. Celle de traite. Et nous voilà dans la stabulation des vaches. Alors là, c'est la cage de contention que je m'en sers pour soigner les vaches et pour les inséminations. Voilà, le box il est un petit peu crado. Le box à vélage. Voilà. On peut ouvrir la barrière là pour que les vaches puissent aller manger.
C'est très important des logettes confortables parce que les ragivaux y passent 12 à 14 heures par jour couchés. Et voilà, il y a illuminé. Donc c'est super important des logettes confortables. On peut le voir. Quand un bâtiment a des logettes confortables, c'est qu'il y a une grande majorité de vaches qui sont pas debout comme ça, mais qui sont plutôt couchées dans les logettes. En période en milieu d'après-midi comme ça, c'est... Elles aiment bien, vous voyez ce doré. Dès qu'il y a un rayon de soleil, elles aiment bien venir là. Et là, c'est voilà, c'est le stockage du DAC. Le DAC, c'est le distributeur automatique de concentré. Vous voyez les vaches, elles ont un collier. Forcément, on ne peut pas le voir ici, voilà. Elles ont un collier avec une médaille en bas. C'est ce qui les identifie. Et dans le DAC, moi je programme une quantité de granulés qu'elles vont avoir droit. En fait, elle a été construite en 1973. Elle a été agrandie ensuite pour loger de plus en plus de vaches et puis les nourrir à l'abri. Et puis, moi, j'ai fait des travaux dedans en 2008 pour qu'avant, il n'y avait pas les logettes et tout. Sinon, voilà, il y a une épareuse. Derrière, il y a mon tracteur John Deere qui sert pour l'élevage. Là, mon déchaumeur à dents. Les silos de stockage, donc avec du maïs, de l'herbe et du maïs. On voit que celui-là il est presque vide. Et voilà le troisième bâtiment construit sur la ferme en 1985. Quel bâtiment des génisses! Qui vont veler au printemps prochain. Il y a des génisses qui ont 18 mois qui sont en phase d'insémination, qui vont veler à l'automne prochain. Et là, j'ai quelques vaches tari. Les vaches tari, voilà, c'est des vaches qui vont bientôt faire leur petit veau et qui se reposent. Voilà, qui sont pas traites en attendant de faire leur petit veau. Donc, voilà, donc pareil, les génisses, elles s'alimentent pas dans les auges. Je mets un râtelier, où d'habitude je mets du veau ou de leur humanage, mais j'en ai pas assez cette année. Donc je leur donne de la paille avec de l'aliment liquide. C'est le truc marron qu'on voit là. Et c'est à base de mélasse. Et là c'est les plus jeunes. Elles sont entre 1 an et 15-18 mois. Avec du sel et des os allégés de minéraux à manger. Après, on va aller au hangar là-bas, qui est derrière le hangar de stockage. Voilà, bah ça c'est le dernier hangar. Le hangar de stockage de paille, principalement, et de matériel après. Ça, je l'ai construit en 2008. Je l'ai agrandi en 2012. Donc on met de la paille. Du foin. Alors, il y avait du foin ici, là, mais... Maintenant, j'ai mis ma vieille benne. Mais elle me sert qu'à transporter du fumier parce qu'elle est percée de partout. Et encore du foin. Ça, c'est le foin pour les génisses. Il est fibreux et riche en protéines. Et ça, c'est le foin pour les vaches. Voilà. Et il m'en reste plus beaucoup. Donc, à cause de la sécheresse, j'ai pas fait des grosses récoltes d'herbe cette année. Ah, il bouge plus, bon. Je suis en train de faire quoi là, à ton avis? Bonjour à tous et toute l'équipe de la ferme se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année 2020. En fait, elles s'en foutent, la plupart, elles sont en train de bouffer. Elles s'en foutent du nouvel an.
Mais pas moi, parce qu'en fait, le nouvel an, c'est un anniversaire un petit peu spécial pour moi, notamment cette année, parce que ça fait 18 ans que je suis installé aujourd'hui. Et donc, chaque nouvel an, c'est un anniversaire un peu spécial. Et notamment aujourd'hui, parce que je deviens un agriculteur majeur. Voilà, bon, j'y allais cette année. Je sais qu'on ne sera pas forcément pleinement heureux, voilà, tous les jours de chaque année. Voilà, tous les jours, toute l'année. Mais voilà, bon, on va essayer de trouver un petit peu de bonheur chaque jour, hein. Allez, salut. Puis moi, je vais peut-être aller faire une sieste.